السلام عليكم مرة ثانية والصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فوالا عاودنا ولينا دونك بور لا اونيام فوا سوف كو هاد الخطرة إن شاء الله غادي نروحو نشوفو أن أوتر انتيتولي اللي هو لو سيستيم كارديو دونك لو سيستيم كارديو فاسكولار. Alors, le système cardiovasculaire, bien évidemment, va dire que le cœur, va dire que les vaisseaux, va dire que le sang et le système lymphatique. Donc, Inch'Allah, bi'idnillah. Bien, voilà, Imam Dari, donc le plan de travail, donc, nous avons la définition, les dimensions, explication et orientation, le cœur, les tuniques, donc, les tuniques de la paroi du cœur, les humains, le péricarde, le myocarde et l'endocarde. On va voir les cavités, d'accord, les cavités du cœur et les ventricules. On va voir les gros vaisseaux, donc la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire. Donc on va voir les valves cardiaques, donc les valves cardiaques, les humains, donc la valve sigmoïde aortique, sigmoïde pulmonaire. On va voir la valve mitrale et ou bicuspide et la valve tricuspide. Bien, alors, rapprocher, on va définir ce que c'est que le cœur. Alors sachant que le cœur est un organe parmi le tripi vital, parmi les trois organes vitaux. Léoma, donc nous avons le cerveau, le cœur et les poumons. Donc le cœur est tout à fait un organe, sauf que le cœur est un organe musculaire, donc qui est situé dans la cavité thoracique derrière le sternum. Ce cœur est légèrement décalé à gauche, l'anarfoubaïla, sur le plan anatomique, il est légèrement décalé à gauche, chez, bien évidemment, la plupart des individus. Sa taille environ, c'est 1,5 fois la taille du poing de la personne. Et ce cœur, bien évidemment, est divisé en deux parties. Donc, on va voir tout à l'heure les parties. Et puis, loi des phares, la fonction de ce cœur, c'est le fait de faire circuler le sang, bien évidemment, dans le corps, c'est-à-dire à travers le corps de la personne. Et chaque battement correspond bien évidemment, bien sûr, à cette contraction musculaire. On va voir la définition et situation et orientation. Donc, définition, situation et orientation. Donc, du poids environ de 250 à 300 grammes. Donc, Malcolm Choufoufina. Voilà, ça, c'est un cœur. Alors, vous avez un cœur. Donc, le poids varie entre 250 et 350. Donc, le cœur est logé à l'intérieur du médiastinphe, le corps humain. Donc, il est logé à l'intérieur du médiastin. Il s'étend obliquement de la deuxième côte au cinquième espace intercostal. Donc, deuxième côte et une, deux, jusqu'au cinquième, bien sûr, espace intercostal. Il mesure entre 12 et 14 cm, partiellement recouvert par les poumons. Alors là, Radi Rahonchallah, il chauffe les tuniques de la paroi du cœur. Les humains, tlétan, le péricarde. La membrane, c'est la paroi qui enveloppe le cœur, mais à l'extérieur. Nous avons le myocarde. Le myocarde, ce muscle cardiaque qui est à l'intérieur, donc un muscle, et vous voyez que c'est épais, donc ce muscle cardiaque qui est à l'intérieur, et nous avons l'endocarde qui est à l'intérieur du cœur. Le muscle cardiaque, il est là, et l'endocarde, il est à l'intérieur du cœur. Pour vous dire que le péricarde, donc on parle de péricarde séreux ou fibreux, composé de tissus conjonctifs, c'est-à-dire très élastique et très résistant. D'accord? Donc le péricarde, alors il est formé de deux lames, la lame pariétale et la lame viscérale. Pariétale, c'est-à-dire en dehors, d'accord? Et viscérale, c'est-à-dire au regard des viscères. La paroi du cœur est formée de trois tuniques, qui m'a kunangulu, donc le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Maintenant, le myocarde, qu'on appelle littéralement appelé muscle du cœur, le myocarde, bien sûr, qui est le muscle, on va voir rouge. Donc le mangulu rouge, un muscle rouge, c'est-à-dire un muscle qui est strié. D'accord? Alors, c'est la tunique intermédiaire. La tunique intermédiaire, elle est dotée de ce qu'on appelle d'une ténacité, c'est-à-dire qu'elle est dotée de ce qu'on appelle donc une capacité à se contracter. C'est ça le myocarde. C'est le muscle qui a cette capacité de se contracter pour renflouer, bien évidemment, le sang. Alors, nous avons l'endocarde qui est, bien évidemment, l'intérieur,
c'est l'intérieur du cœur, endocarde, donc en dedans du cœur, carme. Donc l'intérieur du cœur, l'endocarde, il est en continuité, bien évidemment, avec l'endothélium des vaisseaux sanguins. Donc il est intérieur, donc il est préconstamment en permanence avec l'endothélium des vaisseaux sanguins. Alors, les cavités du cœur, donc nous savons que les cavités du cœur, nous avons les oreillettes, qu'on appelle les oreillettes ou atriums, et nous avons les ventricules. Sachant que le cœur est divisé en deux parties, un cœur gauche et un cœur droit, nous avons les oreillettes. Alors, oreillette droite et oreillette gauche. Ngulum Uzin, donc oreillette ou atrium droit et atrium gauche, et nous avons bien sûr deux ventricules, le ventricule droit et le ventricule gauche. Appelé donc le botain limen ou le botain lesser. Voilà en ce qui concerne les cavités du cœur. Alors, l'oreillette, le mangoule oreillette, c'est le point d'arrivée du sang. Donc, c'est le point d'arrivée du sang et les ventricules, en se contractant, projettent le sang, ou hadou, les ventricules, le botain, en se contractant, projettent le sang en dehors du cœur. Maintenant, on va voir les gros vaisseaux. Alors, les gros vaisseaux, nous avons, qui m'a la veine cave supérieure et la veine cave inférieure plus le sinus coronaire. Alors, la veine cave supérieure déverse le sang provenant des régions situées au-dessus du diaphragme. C'est-à-dire, la veine cave, elle est là, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, qu'est-ce qu'elle fait la veine cave supérieure? Elle déverse le sang provenant des régions situées au-dessus du diaphragme. Nous avons le diaphragme, donc au-dessus du diaphragme, et nous sachons que c'est un sang qui est bien évidemment riche en CO2, très simple, l'oreillette droite. Et l'oreillette, la veine cave inférieure, transporte le sang provenant des régions situées au-dessous du diaphragme, c'est-à-dire la veine cave inférieure du bénin du sang riche en dioxyde de carbone ou là en CO2, du bénin mnémome inférieur ou du mtanaïta pour le déverser dans l'oreillette droite. Le sinus coronaire recueille le sang drainé du myocarde. Donc, contrairement aux deux veines caves inférieures, le sinus coronaire, qu'est-ce qu'il fait? Il draine, c'est-à-dire ce sang qui est recueilli au niveau du myocarde lui-même, donc les quatre veines pulmonaires qui pénètrent dans l'oreillette gauche. Donc, ces veines ramènent du sang du poumon au cœur. Avec les quatre veines qu'on a au niveau de l'oreillette gauche, il ramène du sang du poumon au cœur. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les valves. Alors, les valves, voilà, nous avons là, voilà, les valves, comme tu vous filmes là, ça, c'est au niveau de l'oreillette droite, nous avons ce qu'on appelle la valve tricuspide. Donc, alors, les valves, c'est des clapets. Alors, c'est quoi, c'est des clapets? Quand le sang circule, parce que le sang circule en un sens, quand il circule, et le sang se déverse au niveau du ventricule, les valves se referment. Automatiquement, ils se referment. D'accord? Pour que ne laisse pas le sang, il fait un retour. Donc, là, au niveau du cœur droit, nous avons ce qu'on appelle la valve pulmonaire, la valve tricuspide, pulmonaire bien sûr, qui est maintenant la valve sigmoïde pulmonaire. Et au niveau du cœur gauche et au niveau du ventricule, nous avons ce qu'on appelle une valve mitrale. Valve mitrale. D'accord? Elle est là. Donc, c'est un clapet. Donc, quand les quatre veines demeurent au niveau du ventricule, elles se ferment automatiquement pour que le sang ne fait pas un retour vers l'oreillette. D'accord? Bien évidemment, au niveau du cœur. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, concernant la fonction cardiaque, c'est vrai qu'on en a vu un peu grosso modo. Tout ce qui est morphologique, tout ce qui est circulation cardiaque, mais là, on va voir la fonction, on va défaire le cœur. Alors, la fonction cardiaque, on appelle ça Tawra, on parle bien, la révolution cardiaque, donc c'est la contraction des oreillettes, c'est-à-dire que les oreillettes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contractent. Alors, en se contractant, bien évidemment, ils se contractent environ 70 jusqu'à 80 battements par minute. Schématiquement, la révolution cardiaque comprend trois temps. Nous avons la systole, qu'on appelle la systole auriculaire, c'est la contraction des oreillettes. C'est un dixième
de secondes. Et puis nous avons la systole ventriculaire, talbotaine, donc systole auriculaire, c'est-à-dire chavadi dilou, radi, ils vont se contracter pour chasser le sang au niveau du ventricule, d'accord. Et nous avons ce qu'on appelle la systole ventriculaire, c'est la contraction des ventricules, elle dure environ 3 dixièmes de seconde. Donc, 3 dixièmes de seconde, les valves mitrales et tricuspides se ferment, le sang est propulsé vers l'aorte pulmonaire, d'accord. Et de ce fait, il y a ce qu'on appelle en troisième la diastole, ce qu'on appelle la diastole générale. Ce que c'est que la diastole générale, c'est la pose, donc radi rijo, les oreilles et les ventricules, radi rijo. Donc, systole, diastole, systole auriculaire, ventricule et systole ventriculaire, et puis il y a la diastole générale, ce qu'on appelle diastole auriculaire, diastole ventriculaire. Alors, l'automatisme cardiaque, donc comment fonctionne ce cœur? Comment se fait qu'il y a des contractions? Qui va être avec nous les contractions pour chasser le sang? Donc c'est tout simplement, c'est grâce à ce qu'on appelle, là, au niveau de l'oreillette droite, là, au niveau de l'oreille droite, il y a ce qu'on appelle un nœud, qu'on appelle un nœud sinusal. On appelle un nœud sinusal, on peut l'appeler aussi nœud de Kate, donc nœud de Kate, ou non, nœud de Kate et flag. C'est un nœud, chez dire un nœud, il y a des impulsions électriques pour qu'il y ait des impulsions électriques en joule, en watt ou en watt, d'accord. Alors, allez, je vais trouver la contraction. La preuve, quand vous allez chez le cardiologue, la première des choses, c'est comme il dit ce qu'on appelle un ECG, un électrocardiogramme, allez, pour voir électro, ça veut dire électricité, pour voir le nœud, si, d'accord, bien évidemment, impulse de l'électricité pour qu'il y ait des contractions cardiaques. Bien, il y a le nœud, il se trouve dans la paroi de l'oreille droite de Tocum. Il y a le nœud sinusal qui est flac, qui se trouve dans la paroi. Le nœud auriculo-ventricule. Alors, le nœud auriculo-ventricule ou nœud de Achof-Tawara. Donc, Achof-Tawara du nom de celui qu'il a mis en évidence, situé dans la partie inférieure du symptôme interauriculaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les faisceaux auriculo-ventriculaires, les faisceaux de His. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le bruit du cœur? Alors, chaque révolution du cœur, on peut entendre deux bruits qu'on le nomme B1 et B2, donc qui donnent la sonorité. Le main, ce mot, d'accord? Alors, les vaisseaux. Les vaisseaux, les moins, le lourd. Alors, le main, les vaisseaux, on distingue trois catégories de vaisseaux. Nous avons les artères, nous avons les veines, et nous avons les capillaires. Alors, les artères sont des vaisseaux qui conduisent le sang depuis le cœur jusqu'aux organes. Les artères, le chéréen, les humains, les jibounes, les dames, d'accord, le cœur, où il me tourne le hava du cœur vers les organes. Les veines, ce sont des vaisseaux qui ramènent le sang depuis les organes, les jibounes, les dames, bien sûr, qui est riche en dioxyde de carbone, mais les organes, d'accord, jusqu'au cœur. Donc, et les vaisseaux, bien sûr, comportent trois tuniques, ce qu'on appelle l'intima, d'accord. Alors, les capillaires ou la chouaïrat. Donc, ce sont des vaisseaux microscopiques. Je fais un fermage, parce qu'un millimètre de long, d'accord. Et intermédiaire entre Houma, ils sont loissés, bin les artères, et bien évidemment, les veines. Le système circulatoire, il faut bien la circulation sanguine ou la circulation générale, qui est de circulation. Alors, l'hymne qu'on appelle la circulation, la petite circulation ou circulation pulmonaire, elle nous ramène du sang riche en dioxyde de carbone, ou bien qui est la grande circulation, côté gauche, qui est la grande circulation ou circulation systémique qui nous ramène du sang riche en oxygène. Tout ce qu'on peut dire, ce qui m'a fait le schéma, ça, c'est le schéma de la petite circulation et de la grande circulation. Là, nous avons les deux poumons, nous avons le cœur, là, nous avons bien évidemment un réseau sanguin, d'accord, au sein des neurogènes, donc caractérisé bien sûr par les capillaires et les veines. Rana, voilà la grande circulation ou circulation pulmonaire qui nous ramène du sang riche en dioxyde de carbone et la grande circulation ou circulation systémique, bien évidemment, qui va
qui nous ramène bien sûr du sang riche en oxygène et qui va le distribuer dans tout le corps. Alors, voilà les principaux vaisseaux. Donc, on avait dit que les principaux vaisseaux, ce sont les artères, d'accord, et les veines. Maintenant, on va voir le sang. Alors, le sang est un liquide rouge dans le volume moyen pour un adulte est de 70 kg et de 5 litres. Il faut savoir qu'un insane fait 7 kg, un volume de sang en litre est de 5 kg. On parle de sang en tant que tissu, d'accord, d'accord, et le sang en tant que liquide rouge. Alors, les éléments figurés dans le sang, il y a un alphabet qui est un peu plus de globules rouges. On appelle ça en Corée, le Hamarine ou Emasi. D'accord. Ce sont des cellules qui sont dépourvues de noyau, mais en plus, en plus, ils ont une durée de vie. Donc, il y a un la durée de la vie de Corée, le Hamarine, elle est égale à 3 mois. Il y a ce qu'on appelle une régénérescence. Et puis, nous avons au moins 5 millions de globules rouges par millimètre cube, d'accord. Alors, le rôle principal le transport des gaz. Ils font ce qu'on appelle le transport des gaz, de l'hématome, et surtout, comme gaz, c'est l'oxygène. L'oxygène, d'accord. Et bien évidemment, les globules blancs, qu'on les appelle globules blancs ou leucocytes, les humains, bien sûr, entre 6000 et 7000 par millimètre cube, on fait les monocytes, c'est-à-dire les globules blancs, on a les lymphocytes, on a les monocytes. Alors, les plaquettes. Les plaquettes, les humains, entre 200 000 à 300 000 millimètres cubes, هما خلايا صغار ريبيتيت دونك توجور دي بيفو دو نوايو ما عندهمش نواه اي يلعبوا واحد الدور كبير في جسم الانسان هذا الصفائح وهو دور دونك انتي ايمونجيك دونك النزيف nous avons aussi في الدم حاجه ضروريه وين الخلايا كاع عمو ويلبس كون ابل لو بلازما دونك لو بلازما سي لا بارتي دو ليكيد. C'est un liquide jaunâtre qui est fait dans le plasma de 90% et donc c'est une substance organique, donc on peut faire les glucides, donc on peut faire les protéines, donc on peut faire les lipides ou donc on peut faire l'amlah qui met le calcium. Alors le système lymphatique, c'est une, comme introduction, c'est-à-dire au niveau du capillaire sanguin, c'est comme ce qu'on appelle ce produit, ce qu'on appelle une transsudation de plasma. Transsudation ou un tahawul tahad de plasma ou tahad khouriyat al-boïdine. Allez, nous sommes là, le jihaz lymphatique. Donc, c'est un tahawul tahad khouriyat al-boïdine ou aussi les chouaïrat. Donc, chayla la lymphe, madame Rana, nous sommes au système jihaz lymphatique, chayla la lymphe. Alors, la lymphe est un liquide jaunâtre, donc, c'est une sphère à réaction alcaline. Mais tu as le plasma tahad de l'eau, donc, tel qu'un filtre, donc qui met le filtre, il contient également, donc, le plasma, les globules blancs, et notamment des lymphocytes au total. Donc, il y a un le plasma, il est dépourvu de globules rouges. Alors, les vaisseaux lymphatiques, la lymphe, ils sont donc au niveau des capillaires, d'accord, des vaisseaux les plus gros qui mettent les canaux lymphatiques ou le tronc lymphatique. Donc, généralement, le système lymphatique, la grande veine lymphatique, qui est moujouda au niveau de la tête, du cou et du thorax, ce qu'on appelle la lymphe, par l'intermédiaire de la grande veine lymphe, ou tout là, ce qu'on appelle la veine sous-clavienne, ou là, le canal thoracique. Donc, un azouj, سائل داكور اللي هو متكون من الكريات البويضين ومتكون من هاد لي كابيلار هاد الشعيرات دونك قلنا nous avons la veine lymphatique et le canal thoracique. من بعد قادر نتكلموا على كيما حنا في العاميه نقولوا الولاسيس هما لي غونغليون لمفاتيك دونك لي غونغليون لمفاتيك هما سي دي فيلتر
le maître mot ganglion, c'est des filtres interposés le long des vaisseaux lymphatiques. Ils filtrent les déchets. Ils existent des accumulations superficielles accessibles à la palpation. Donc, le même chauffe là, donc un ganglion, ce qu'on appelle un ganglion inguinon. Donc, là, inguinon, l'un, c'est ganglion inguinon. Là, au niveau des colonnes axillaires, donc des ganglions axillaires, d'accord, le cou des ganglions sous ma xylène. Et les ganglions, bien sûr, ils contiennent, et ils peuvent phagocyter et détruire les microbes, d'accord, les cellules cancéreuses et aussi les débris cellulaires. Alors, autre organe lymphoïque, nous avons la rate, le thymus, les amygdales, les plaques de Peyer. Donc, Hada, sur ce qu'on appelle le système. Donc, le système lymphatique a un rôle nutritif. Il apporte au sang ceux qui ont les graisses, le chouhoum, zouhoun, absorbés au niveau de l'intestin grêle et parce qu'au niveau des chilifères. Zil, il draine, c'est-à-dire il filtre, épuration. Donc, il fait ce qu'on appelle rôle de drainage et d'épuration, t'as les déchets, et le rôle des défenses. Alors, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine chambre.